Nous reprenons, nous poursuivons sans transition avec la seconde partie de ce cours qui va nous prendre, comme la première, à peu près 4 heures, aux alentours de 4 heures. Donc on va aborder les méthodes et techniques d'enquête. Nous sommes des sociologues et à un moment donné, de notre travail, il nous faut produire des données d'enquête originales ou, je commencerai par ça d'ailleurs, ou utiliser des données d'enquête de terrain qui ont été produites par d'autres que nous. Mais en tout cas, cette seconde partie, elle est consacrée en fait à la question empirique. Nous nous intéressons aux questions de mobilité et de migration. J'espère que j'ai été un petit peu clair dans ma présentation du panorama proposé précédemment. Et maintenant, il faut en quelque sorte se mettre au travail. C'est ce qu'on va faire en 3 temps. Premier temps, que trouve-t-on du côté des enquêtes quantitatives, la production de chiffres, d'enquêtes statistiques ou l'exploitation d'enquêtes statistiques produites par d'autres, première chose. Deuxième chose, non pardon, je reprends, on va commencer par les enquêtes qualitatives, donc les entretiens, les différentes formes d'entretiens que les sociologues pratiquent. Ensuite, un moment sur les enquêtes quantitatives, le chiffre, les statistiques, et puis nous consacrerons plus de temps à cette catégorie d'enquête que j'ai évoquée en introduction, à savoir les méthodes mobiles, les méthodes et les techniques d'enquête mobile. En introduction à cette seconde partie, deux points qui renseignent quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quand on enquête les questions de mobilité, ce sont des questions compliquées à enquêter. C'est souvent compliqué de mener des enquêtes de terrain autour des pratiques de mobilité des uns et des autres. Alors, je vais vous dire ça comme ça. Ça n'aura pas forcément beaucoup d'écho parce que vous n'avez pas encore l'expérience des enquêtes sur ces thématiques mobilitaires, mais je vous demande de me croire en quelque sorte sur parole et de croire tous mes collègues avec moi sur deux difficultés particulières d'enquête. La première difficulté que l'on rencontre souvent, c'est que les personnes ont souvent du mal à raconter leurs pratiques de mobilité. C'est difficile pour elles, en quelque sorte, de voir de quoi elles doivent parler quand on les interroge sur leur pratique de mobilité. C'est difficile de leur faire comprendre ce qui nous intéresse dans leur pratique quotidienne en matière de mobilité. Moi, très souvent, et notamment au tout début de mes enquêtes sur cette question, je me suis retrouvé en situation de difficulté. Parce que pour moi, enquêteur, aller rencontrer quelqu'un et lui dire « Alors raconte-moi un petit peu comment tu te déplaces en ville. Raconte-moi un petit peu quelles sont tes pratiques de mobilité quotidienne. Raconte-moi un petit peu, explique-moi, décris tous les territoires à travers lesquels tu te déplaces, tous les territoires que tu t'appropries, soit en termes de mobilité quotidienne, soit en termes de mobilité virtuelle, soit en termes de mobilité résidentielle. » Maintenant, vous voyez à quoi je fais référence. Et j'avais souvent en face de moi des gens qui étaient en difficulté de compréhension, qui voulaient bien me faire plaisir, mais raconte-moi comment tu te déplaces tous les jours. Sincèrement, ça passait pas, ça n'évoquait rien de très précis. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi, et c'est tout simplement parce que nos pratiques de mobilité sont très très fortement incorporées. Nos pratiques de mobilité quotidienne, elles sont en quelque sorte complètement
inconscientisées. Elles sont si profondément enfouies dans nos pratiques qu'on a souvent du mal à prendre un petit peu de distance pour pouvoir les prendre en compte, les regarder et puis les exprimer et les raconter à un enquêteur. D'accord ? Vous rencontrez, que sais-je moi, dans ce domaine, des routards. Je vais parler de ça tout de suite. Des routards qui ont fait un grand voyage sac à dos à travers le monde. Et vous leur demandez de raconter ce grand voyage. Là, je vous assure que ça marche très très bien. Ça marche très bien. Ça donne des entretiens qui sont longs. Ça donne des entretiens qui n'ont quasiment pas besoin de relance. La personne enquêtée roule toute seule, un peu en pilote automatique. Pourquoi ? Parce que le voyage routard est quelque chose d'exceptionnel. On ne fait pas ça tous les jours. Et à partir de là, il y a beaucoup de distance avec le voyage routard. Si vous demandez aux personnes de parler de mobilité quotidienne, beaucoup plus quotidienne, la voiture, les embouteillages, le métro, être serré dans le métro, le vélo, comment est-ce qu'on choisit ses itinéraires pour aller au travail, pour aller aux loisirs, comment est-ce qu'on fait de la place aux questions de mobilité dans la vie familiale, par exemple, etc., etc., je vous assure que c'est difficile. Les pratiques sont tellement évidentes qu'elles sont en quelque sorte insaisissable. Je vous ai dit précédemment que Bourdieu n'était pas forcément une référence très stimulante dans le domaine qui est le nôtre, sauf pour ça, Bourdieu, il a bien expliqué à de nombreuses reprises que plus la pratique sociale est évidente pour l'acteur social, plus il a de mal à s'en détacher, à la raconter et à la comprendre. D'accord ? La mobilité, eh bien c'est ça. La première difficulté, c'est difficile de faire parler les gens autour de ça. Et l'année dernière, encore, en TD, des groupes d'étudiants ont planché sur tout un ensemble de sujets renvoyant à la mobilité quotidienne. Et tous, ils ont exprimé, au moment de la restitution des enquêtes, la grande difficulté à faire parler les personnes enquêtées de ce qu'elles voulaient entendre. Première difficulté, la mobilité s'est en quelque sorte très fortement incorporée et à partir de là, c'est compliqué. Deuxième grande difficulté, j'y ai fait très rapidement référence précédemment, eh bien, c'est une difficulté qui est spécialement liée à notre domaine. Comment enquêter des gens qui bougent ? Voilà. Comment enquêter des cadres sur leurs déplacements internationaux ? Vous vous rappelez, en fin de première partie, nous avons évoqué le travail d'Anne-Catherine Wagner sur les nouvelles élites de la mondialisation. Anne-Catherine Wagner s'est intéressée aux cadres supérieurs, entre guillemets, qui passent beaucoup de temps à déménager d'un pays à un autre, puis à partir de là, à prendre l'avion très très souvent, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine, le taxi tous les jours, le train très souvent, la voiture tous les jours, des gens qui vivent dans la mobilité, qui vivent dans le déménagement, dans la mobilité résidentielle. Comment enquêter leurs pratiques ? C'est quand même très difficile de les suivre. Si vous vous intéressez, je vous montrerai des techniques sur ce sujet. Si vous vous intéressez aux migrations, et en particulier aux migrations des plutôt jeunes hommes et plutôt jeunes femmes, alors jeunes, ça va jusqu'à 35, 40 ans, migrants qui quittent leur pays d'Afrique noire et puis qui montent vers l'Europe dans des conditions très difficiles. En prenant des fois des pick-up qui traversent le désert, en prenant ensuite des cars, ensuite ils marchent tout seuls, ensuite ils marchent en groupe, ensuite ils reprennent des pick-up. Enfin bon, ce sont vraiment des odyssées extraordinaires que leur voyage. Quand on est un spécialiste des migrants, comment est-ce qu'on fait pour enquêter ça ? La personne bouge sur de très très longues distances, sur des calendriers très longs.
Hein, la migration, ça ne se fait pas en 3 mois, hein, dans ces cas-là. Parfois, c'est en 3 ans. Si vous travaillez, j'évoquais les routards, si vous travaillez sur la pratique du voyage routard, comment vous faites? Est-ce que vous partez avec les gens? Est-ce que vous les suivez? Si vous travaillez sur les navettes domicile-travail de la vie de tous les jours, comment par exemple des périurbains qui habitent en troisième couronne de l'agglomération rennaise, comment est-ce qu'ils font tous les jours pour prendre leur voiture, prendre les gamins dans la voiture? La voiture démarre, on déplace, hein, on met un premier gamin à l'école, on met un deuxième gamin au collège, on met le troisième gamin au lycée, après on va déposer des vêtements au pressing, après on va au travail. Vous savez, tous ces itinéraires très très compliqués des périurbains, comment on fait pour enquêter ces pratiques? On a deux solutions, bien sûr. On a une première solution qui est d'utiliser les outils classiques du sociologue, la production de chiffres, de stats, et puis l'entretien. Mais l'entretien, c'est-à-dire, raconte-moi comment tu fais, raconte-moi ta pratique. Ou alors, on va suivre les personnes. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose, du tout. Raconte-moi les déplacements que tu fais tous les jours entre la troisième couronne dans laquelle tu habites et ton lieu de travail au centre de ville, au centre de la ville. Raconte-moi, ça veut dire, on le sait, que la personne va oublier beaucoup de choses, va laisser certaines choses de côté, ne pas en parler intentionnellement, va accorder beaucoup d'importance à des choses qui n'en ont pas forcément énormément en termes de pratique. Le discours transforme toujours la pratique. En tout cas, on a cette solution, cette possibilité. Je vais y venir. Bien sûr. Et puis autrement, les techniques d'enquête mobile, on suit les personnes, on est avec elles. Voilà en quelque sorte le plan de cette deuxième partie et les enjeux particuliers, les difficultés particulières de l'enquête sur les problèmes de mobilité. Je commence par un rapide passage en revue de la manière dont on peut mobiliser les enquêtes, les techniques d'enquête qualitatives. Donc vous les connaissez, l'entretien. Alors on va regarder, hein, j'ai tout un ensemble d'exemples à regarder avec vous. Ce premier exemple, illustre une enquête sur des pratiques de mobilité de personnes, sur des déplacements faits par des personnes, à partir et dans le cadre d'entretiens semi-directifs de face à face. Donc ça, c'est la technique d'entretien que vous connaissez tous, que vous avez normalement tous déjà pratiquée et que vous allez pratiquer encore cette année dans le cadre de vos mémoires. Voilà. Alors, je vais vous montrer le guide d'entretien que j'ai utilisé, vous voyez, dans le cadre d'un travail qui a abouti à ce livre, dont le titre est « Mobilité et société dispersée ». J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de cibles, et notamment, j'avais, moi aussi, je me suis intéressé à une cible routard, à une cible jeunes gens, jeunes garçons, jeunes hommes, jeunes femmes, qui, à un moment de leur vie, sont partis dans des grands voyages de mise à l'épreuve d'eux-mêmes. Et c'est ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement le trajet suivi par ces personnes, les pays qu'elles avaient visités, comment elles s'y étaient prises pour visiter ces pays, et puis ce qu'elles avaient vu, tout simplement, les beaux monuments, les belles villes, etc., etc., ou les beaux déserts. Ce qui, moi, m'intéressait, c'était surtout comment elle s'était en quelque sorte déconstruite elle-même et reconstruite elle-même dans le voyage. Voilà mon guide d'entretien. Alors, il n'a rien de très compliqué, hein. Un guide d'entretien en 7 ou 8 grandes questions, grandes thématiques
autour desquels je faisais parler, j'ai fait parler de mémoire une vingtaine de routards. Et donc, vous voyez, je commençais par les grandes étapes du parcours résidentiel depuis la naissance. Je disais très concrètement aux personnes, écoute, avant de rentrer dans le récit de ton voyage, est-ce que tu peux me raconter un peu tous les endroits à travers lesquels, dans lesquels tu as habité depuis que tu es né avec tes parents? Moi, je voulais voir s'ils avaient beaucoup bougé, beaucoup déménagé, ou si c'était des gens qui étaient plutôt, disons, sédentaires. Et puis, je demandais question numéro 3, enfin, item numéro 3. Tu peux me raconter maintenant un peu tous les voyages que tu as fait avec tes parents? Voilà, les personnes me racontaient. Et puis, à un moment, je disais, bah, allons-y maintenant, raconte-moi ton voyage. Et puis, les personnes partaient comme ça, dans des récits qui duraient souvent très très longtemps, parce que ceux qui ont vécu cette expérience le savent bien, parmi vous, c'est gratifiant, c'est plein d'émotions, plein de souvenirs, souvent des bons souvenirs, aussi des mauvais souvenirs, toujours des mauvais souvenirs, des mises en danger de soi, etc. etc. Mais en tout cas, le voyage routard, en quelque sorte, la personne est capable d'en parler 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. C'était des entretiens très, très faciles à faire, qui marchaient très, très bien. D'accord? Voilà. Première technique que l'on peut mettre en œuvre quand on s'intéresse aux pratiques de mobilité, tout simplement, c'est l'entretien semi-directif de recherche en face à face. OK? Mais là, j'ai attiré votre attention là-dessus. Hein, voyez que dans ces cas-là, moi, je ne pouvais pas enquêter le voyage routard lui-même. J'enquêtais ce que les gens me racontaient de leur voyage routard. Il y a une énorme différence entre une pratique objectivement regardée et une pratique racontée par la personne. Hein. Ce n'est pas le même objet en réalité. Deuxième technique d'enquête que vous pouvez mobiliser quand vous vous intéressez à une question mobilitaire, eh bien, c'est l'histoire de vie. Une histoire de vie. Alors, vous savez ce que c'est, l'histoire de vie? C'est un entretien au long cours avec une seule personne qui accepte de jouer le jeu d'entretien, de discussion très ouverte, très libre, répétée sur 4 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures, 36 heures. C'est très très long. Donc on est dans une mise en place d'enquête particulière. Il faut bien choisir la personne. Il faut ensuite qu'elle comprenne très bien de quoi il retourne, ce à quoi elle s'engage avec l'enquêteur ou l'enquêtrice. Il faut ensuite prendre le temps de nouer une véritable relation de confiance, parce que la personne va raconter beaucoup d'elle-même, des choses intimes, des choses très douloureuses, souvent. Et le contrat suppose aussi que l'on s'engage ensemble sur de la longue durée. Alors les entretiens, les séquences d'entretien se déroulent de manière également particulière. Il est très important qu'elles se déroulent dans des lieux agréables, rassurants, tranquilles, préservés. Pas un café, évidemment, le pire endroit dans lequel un sociologue peut enquêter, c'est le café. Des fois, on n'a pas le choix de faire autrement, mais c'est quand même le pire. Hein. Donc là, c'est plutôt chez l'enquêteur, chez la personne elle-même. On a le temps, on est tranquille, on est bien installé, on est bien, bien protégé, on est en confiance, on peut prendre un café, un thé, on peut manger des petits gâteaux, il y a des toilettes, on peut s'arrêter, faire une pause, écouter un peu de musique, et puis après, on reprend, etc., etc. C'est ça, l'histoire de vie.
Il y a des manuels de méthode sur l'histoire de vie. Et donc, on peut enquêter les pratiques de mobilité à partir de l'histoire de vie. Et je vous montre la couverture de ce livre qui a été rédigé par Ida Simon Barreau. C'est une anthropologue du CNRS, hein, elle n'était pas à l'université, et qui a fait ce beau livre avec une femme qui s'appelle Sor Duong Phuoc, j'espère que je ne prononce pas mal, une Cambodgienne nommée Bonheur. Et vous voyez le sous-titre, il est peut-être plus parlant, en tout cas il est mieux en lien avec notre domaine, du pays natal, le Cambodge, à la France, du pays natal à la France. Donc on est dans les mobilités migratoires, dans la migration, une histoire d'ethnicité plurielle, à nouveau une question d'épreuve, de mise à l'épreuve de soi-même dans le cadre de la mobilité, et une femme qui a dû quitter le Cambodge dans des conditions bien sûr très très difficiles, celle de la guerre civile, et puis qui a fui et qui a mis beaucoup de temps à arriver en France, à se faire une place en France, à oublier ses souvenirs douloureux, etc., etc. Voilà. Donc on peut enquêter la migration avec des grandes statistiques, comme le fait par exemple le ministère de l'Intérieur en France. On peut enquêter la migration à travers une histoire de vie. Et vous comprenez qu'avec cette technique d'enquête, on accède à un matériau très fin, très subtil. Les remaniements de l'identité, les joies, les peines, les douleurs. On est vraiment avec la personne sur son parcours migratoire. Alors, je le redis, hein, mais vous aurez tout ça sur votre cursus. Et je vais vous montrer si je réussis à le trouver. Le voilà. La quatrième de couve, ouverture du bouquin. Voilà. Hein, ce récit est l'histoire de vie, celle d'une femme du Cambodge, à partir de ses souvenirs longuement fouillés, du passé retrouvé, de sa mémoire reconstruite. Voilà. Approche en quelques-uns de leurs aspects de l'histoire, de l'ethnographie, de Cratier, la région, etc. Cette interrogation, surtout à travers un cas singulier, on raconte, et à partir d'un seul cas, vous finirez de lire la quatrième de couverture, à partir d'un cas, on peut comprendre en fait l'expérience de vie de toute une population. Hein, je me fais comprendre, je pense. J'y viendrai un petit peu plus tard, mais la migration des jeunes qui traversent l'Afrique vers l'Europe, on peut l'interroger à partir des statistiques, on peut l'interroger à partir d'entretiens de face à face, mais on peut l'interroger en trouvant une personne qui a vécu le long trajet à travers des pick-up, des cars, des morceaux de train, etc., etc. Et on lui demande de nous raconter dans le détail son trajet. Et vous imaginez bien que ce récit singulier, très approfondi, permet de comprendre et d'approcher un grand nombre de récits et de situations. C'est l'intérêt de l'histoire de vie. Troisième technique d'enquête, tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, à nouveau, l'entretien collectif. Vous le savez plus ou moins ce que c'est, l'entretien collectif, parce que je ne sais pas si vous avez énormément de cours sur cette question. L'entretien collectif, c'est ce que les Touréniens, les adeptes de Alain Touraine, appellent l'intervention sociologique. L'entretien collectif, c'est une dénomination un petit peu plus générique de la chose, qui évoque des entretiens que l'on réalise avec 10, 12, 15 personnes autour d'une même table pendant toute une matinée ou toute une après-midi ou toute une soirée. Et on peut répéter l'opération éventuellement une fois, deux fois, trois fois. Tout dépend. D'accord ?
Et dans ce cas-là, on choisit bien évidemment les personnes qui viennent autour de la table apporter leur information. Et puis, il y a parmi elles deux ou trois secrétaires de séance, des sociologues ou des apprentis sociologues. J'ai joué ce rôle dans l'enquête que je vais vous montrer très rapidement. Et puis, il y a l'animateur ou deux animateurs qui donnent la parole, qui font rouler le guide d'entretien collectif, etc., etc. Excellente technique d'entretien adaptée à certains sujets et adaptée notamment à des questions mobilitaires. Et sur cette carte, vous voyez qu'on est là sur une question renvoyant à l'aménagement, aux logiques d'aménagement de l'espace européen. Donc on est sur un problème très gros, en quelque sorte. Et j'étais en tout début de carrière. Je crois que c'est la première enquête sérieuse à laquelle j'ai participé. Il s'agissait de comprendre comment les acteurs économiques et les élus de la région Poitou-Charentes, c'était précis, se positionnaient sur la façade atlantique que vous voyez de l'Europe. Voilà. Donc un gros problème, un gros entre guillemets, on travaille à une échelle importante, et on était bien sur une problématique de mobilité, puisque les questions que l'on posait aux personnes, c'était en fait, en substance, je simplifie un petit peu, c'est vers quelle ville êtes-vous attiré? Dans quelle ville allez-vous faire vos courses? Tel et tel type de course, dans quelle ville scolarisez-vous les enfants, quel type de route empruntez-vous, où est-ce que vous allez prendre le train, plutôt à Poitiers, plutôt à Niort, plutôt à La Rochelle, pourquoi, comment la région est structurée, comment elle vit, comment elle s'organise dans la dynamique de ses mobilités. Voilà, un sujet renvoyant bien aux pratiques spatiales, aux pratiques de mobilité, référer aux questions de l'aménagement européen et enquêter à partir d'entretiens collectifs. Troisième technique possible. Alors, laissez-moi deux toutes petites secondes. Et maintenant, on va en venir. Deuxième point, vous voyez, je vais assez vite pour garder plus de temps pour les techniques mobiles. Je conclue d'un mot la mise en œuvre possible des techniques qualitatives pour vous dire que ce que vous connaissez d'ores et déjà est mobilisable, bien sûr. Deuxième point, les enquêtes quantitatives. On peut, bien sûr, enquêter les pratiques mobilitaires, les pratiques de mobilité résidentielle, virtuelle, migratoire, à partir des statistiques. Et nous disposons même, dans ce domaine, de ressources très importantes déjà existantes. En quelque sorte, il nous suffit de piocher dans des bases de données qui existent déjà et que je vais rapidement vous montrer, au moins pour certaines d'entre elles. Mais première chose, pour dire, alors attendez, il faut que je dois régler à chaque fois, c'est pas fameux, je vais vous montrer un exemple de questionnaire statistique. Voilà, ça ne va pas être très passionnant, mais ce n'est pas grave. On peut mettre au point son propre questionnaire d'enquête statistique quand on s'intéresse à tel ou tel sujet. D'accord ? Vous vous intéressez à la pratique de déménagement des ménages ouvriers ou, très intéressant aussi, la pratique de déménagement des étudiants et des étudiantes. Je dis que c'est très intéressant parce que, vous le savez bien sûr, les étudiants et les étudiantes déménagent assez souvent, pas tous, mais certains déménagent beaucoup.
Vous vous intéressez à la pratique de mobilité touristique? Quand part-on en vacances? Jusqu'où part-on en vacances? Par où passe-t-on pour aller en vacances? Quel mode de déplacement utilise-t-on pour aller en vacances? Voilà autant de sujets qui relèvent de l'enquête statistique. Et donc on peut mettre en place son propre questionnaire d'enquête. Je vous montre très rapidement la version non définitive d'un questionnaire que j'ai mis en place il y a longtemps, là aussi, en 2002 de mémoire. Le sujet, c'était les pratiques de mobilité de personnes en situation de précarité sociale et économique. J'ai enquêté beaucoup avec d'autres camarades en région parisienne, en région lyonnaise, à Avignon et autour d'Avignon, et puis sur un certain nombre de quelques autres petites agglomérations. Et on voulait savoir quelles étaient les pratiques de mobilité de gens, notamment qui touchaient à l'époque le RMI, devenu le RSA aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était encore le RMI. On voulait savoir si elles se déplaçaient beaucoup, pas beaucoup, si elles allaient loin dans leurs déplacements ou pas très loin, si elles étaient bien équipées en outils de déplacement. Vous avez peut-être tilté, mais ce sujet d'enquête fait référence à ce que j'ai évoqué précédemment, à savoir les liens entre les pratiques de mobilité quotidienne et le degré, la qualité de l'intégration sociale. Et là, nous sommes allés voir des gens qui étaient dans des positions sociales inconfortables, beaucoup de chômage, des niveaux de formation assez bas, des gens qui vivaient beaucoup des minima sociaux, etc. Et puis nous voulions produire une donnée qui est aujourd'hui bien connue, mais qui à l'époque ne l'était pas du tout, leur pratique de mobilité. On a multiplié les techniques d'enquête et on a notamment fait un questionnaire. Donc là, vous voyez, avez-vous, hein, là c'est le questionnaire non définitif, hein, autrement c'est codé, c'est caché, tout ça. Hein. Mais je vous montre un peu les questions que nous posions. Hein, avez-vous le permis de conduire, une voiture, un deux roues à moteur, un abonnement au transport collectif? Avez-vous déjà eu le permis de conduire, une voiture, un deux roues à moteur, un abonnement? Déjà eu, parce que les gens souvent avaient eu le permis de conduire, mais l'avaient perdu. On leur avait enlevé le permis de conduire parce qu'ils s'étaient fait attraper en état d'ébriété, etc., etc., ou ils avaient cassé la voiture. Votre conjoint, est-ce qu'il va au travail? Vos enfants, est-ce qu'ils ont le permis de conduire une voiture? L'enfant 1, l'enfant 2, l'enfant 3. Et puis après, on essayait de cerner, vous voyez, pour des missions de travail que vous accomplissez dans le cadre de l'association intermédiaire, comment y allez-vous? En voiture, en transport collectif, à pied, en deux roues à moteur, en vélo? Alors on précisait, nous, en transport collectif, même si c'est en fraudant. Hein, on s'en fiche complètement, nous. Vous fraudez, on s'en fiche, bien sûr. Hein. Voilà, est-ce que vous allez chez le médecin? Comment est-ce que vous y allez? Etc., etc. Et puis, voilà, un des éléments du vécu. Est-ce que vous trouvez que les déplacements coûtent cher? Est-ce qu'ils coûtent cher, mais ça passe quand même? Bon, voilà, on essayait de cerner des pratiques de mobilité auprès d'une population qui était très large. C'est l'intérêt du questionnaire, bien sûr. Alors, vous voyez, c'était des gros questionnaires, hein, quand même. Je vais vous montrer autre chose. Je vais poursuivre. Non, c'est pas ça que je vais vous montrer d'abord. Première chose, donc, on met en place ses propres questionnaires. J'en viens maintenant à des bases de données statistiques très précieuses, de très très bonne qualité, qui existent déjà, qui
qui sont disponibles, librement accessibles, et dans lesquels, en quelque sorte, selon ses besoins, selon ses sujets d'enquête, il suffit de piocher, parce que tout est en libre accès, tout est présenté en bonne et due forme sur un certain nombre de sites d'Internet. Je vais commencer par l'INSEE, bien sûr. Vous connaissez l'INSEE.